Bonjour. Seigneur, nous rentrons dans ta présence ce matin. Nous n'avons pas quitté ta présence. Tu as dit dans Matthieu, chapitre 28, que tu ne nous quitterais pas. Je me connecte avec vous ce matin. Je demande la présence divine sur votre vie. Demande l'ouverture de vos portes. Qu'aucune arme qui a été forgée contre vous ne prospère. Yahweh, tu es le chemin, le Créateur. Tu es la vérité. Je demande que le Seigneur se révèle en vous, à vous, en vérité. Pendant que nous prions, que tous vos blocages temporaires, blocages de longue date, qu'ils soient détruits. Pendant que nous prions, que le chemin vous soit montré, ceux qui attendaient une direction. Je chasse tout brouillard mental. Donc vous avez été victime. Que vous recouvrez la mémoire. Toute peur que vous avez hébergée, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être votre meilleure version. Quand vous m'écoutez, que cette peur se dissipe, je mets en vous l'excellence. Que vous cherchez toujours à faire mieux, que vous ne tolériez pas, que les choses qui vous ont fait du mal ont écouté votre destinée dans la jeunesse, que ces choses ne reviennent pas pour vous bloquer plus tard dans votre vie. Les erreurs que vous avez faites dans la jeunesse, que quelqu'un qui t'a bloqué il y a 10 ans, ne reviennent pas te bloquer encore maintenant. J'enlève de votre corps les habitudes qui vous détruisent. Toute habitude que tu as en toi, en faisant toi-même, tu connais que ça, là, ça va m'amener à la tombe. Tu fais toujours. Quel que soit le démon qui est en toi pour te faire te détruire, démon familial, démon marital, démon qui a été passé par les amis, malédiction générationnelle. Comme je sonne cette cloche, je commande qu'il sorte de votre corps, de votre esprit, de vos envies.
Je redresse votre caractère. Tout mensonge que vous avez hébergé, qui vous avez laissé habiter dans votre maison, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre porte-monnaie, qui t'affaiblit de jour en jour. Tu ne sais même pas que c'est ça qui t'affaiblit. Que le Seigneur te montre et que tu enlèves. Toute dette. Tu crois que tu ne peux pas rembourser et tu gardes, tu caches. Chaque fois qu'on te demande, tu as encore mon argent là? Oui, c'est là. Même si c'est 50-50, que tu remontes la pente et tu rembourses cet argent au nom de Jésus-Christ. Prends la décision. Dis, je décide de payer mes dettes. Je décide de payer mes dettes. Tout endroit, on a mis ton nom sur une liste noire, rouge. Et ta présence sur cette liste te bloque. Ça t'empêche de demander un crédit. Ça t'empêche d'avoir la crédibilité devant une banque, peu importe devant qui. Toute fausse action que tu as faite dans le passé, dans ta jeunesse, qui te suit jusqu'à présent, qui a sali ton casier judiciaire. Et c'est comme une chaîne sur ton pied. Pour ce jour de jeûne que nous engageons aujourd'hui, que le Seigneur vienne avec sa gomme, qu'il pardonne les dettes, qu'il efface les accusations. L'ikrasou sibra chobri et sekrasomba. Au crousé mani naros brekasanta li sakosha. Korousse babouche nkaraba posi katande ele kasa. Karousse bamboroko se kari nadose barasa. J'efface ton nom de tout endroit où il y a des verdicts qui parlent contre toi. Madame, nous sommes désolés, tu ne peux pas avoir le crédit. Je change cela et ça devient, Madame, vous voulez combien? Toute opportunité financière qu'on t'a donnée dans le passé en investissant sur toi et tu n'as pas été à la hauteur. Tu ne culpabilises plus. Je dépose en toi la sagesse. Cet esprit dépensier qui est dans toi. Tu ne sais même pas ce que tu fais avec l'argent. Mais l'argent disparaît. Tu regardes en un an, tu as eu 10 millions, ça, tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Je chasse tout esprit de mauvaise gestion financière.
Je restaure. Je restaure. Je restaure. Je restaure. Je restaure ton argent. Je restaure ta santé financière. Je restaure la santé dans ton corps. J'attaque tout démon qui est dans ton corps, qui suce ton énergie, qui te fatigue. Quand il faut te lever pour prier, tu n'as pas la force. Toute entité dans tes pieds, je commande qu'elle sorte. Toute entité négative dans le dos, je commande maintenant que leur effet sur ton corps est annulé. Je leur commande de sortir à cet instant. Je prends autorité sur tout esprit de maladie. Toute maladie qui est arrivée de nulle part. Je restaure tes yeux. Je restaure ta santé. Mettez la main sur la poitrine. Toute attaque à tes poumons, attaque sur ton souffle. Attaque qui a été envoyée par l'ennemi. Même si c'est toi-même, à cause d'une mauvaise hygiène, tu t'es retrouvé malade. J'inverse le processus. Je te guéris. Inspirez un bon coup dans les poumons. Expirez par la bouche. Je sors toute maladie de ton corps. Inspirez. Quand vous expirez, toute maladie sort. Expirez. Je vous connecte à vos aides de destinée. Les personnes qui sont censées vous amener à votre prochaine étape spirituelle. Que ces personnes viennent à vous sans effort. Que ces personnes vous localisent sans effort. Que la collaboration se fasse sans effort. Tu n'as pas cru que tu voyagerais un jour. Tout pays que Dieu t'a inspiré, tu as cru. Et après, tu as été bloqué. Par la puissance du Saint-Esprit. Comme tu m'écoutes. Je te connecte à nouveau. Que ce qui paraissait comme une montagne pour toi, pour faire tes papiers, devienne tout petit. Reçois l'argent qu'il faut pour payer ta procédure, étape par étape. Écrivez ici, étape par étape, étape par étape, étape par étape.
Marc chapitre 11, verset 21. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole. Il leur dit. Jésus leur dit. Ayez foi en Dieu. Ta foi est en train d'être restaurée. Tu es en salle d'opération de ta foi. On est en train d'opérer ta foi. On enlève les petits trucs qu'on a mis dessus là, que l'ennemi avait mis dessus. Ayez foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Rika subrashi kere mabusanta. J'ai foi en Dieu. Encore. J'ai foi en Dieu. Encore. J'ai foi. Toute parole que quelqu'un vous a dite pour abîmer votre foi. Tout ce que l'ennemi a déposé en toi, ça a grandi. Aujourd'hui, tu ne crois plus. Aujourd'hui, tu es seulement une épave qui marche. Là où on t'avait enterré, là. Je te sors de là. Le cercueil spirituel, là où on t'avait mis. I dust off. Je retire la poussière sur toi. Est-ce que vous savez que le manque de foi, ça fait même que... Même demander, tu ne demandes pas. Tu sais que celui qui demande a déjà la foi, non? Parce qu'en demandant, ça veut dire qu'il croit. Il croit que c'est possible. Il pense, donc tu penses qu'on peut te donner. Je vous redonne la foi qui croit et qui demande. Je me vois avec des usines. Je me vois avec de grands immeubles. Je me vois avec mon passeport, ma nationalité du pays que tu désires. Salut Franck. Je me vois. Toute personne qui a attaqué ton esprit. T'attacher. Que tu rêves, tu vois, on fuit toujours avec tes choses. On prend ton argent. Tu arrives dès que tu vas entrer à l'aéroport comme ça, là, on te chasse. Ou la police est derrière toi. Mettez-vous même la main sur le front. Je m'accorde avec vous qui écoutez cette prière. Je chasse tout mensonge de l'ennemi sur toi. Tout changement d'idée, de pensée. Tout, on appelle ça destiny swap. Donc, on a pris ta part, on a donné à quelqu'un, on a pris quelqu'un, on est venu te donner. Comme tu souffres, ce n'est même pas ta souffrance. Le Seigneur qui m'a appelé le créateur de l'univers. Ce Dieu qui n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il est. Quand il se présente, les vraies personnes savent. Il ne donne pas son nom. Aujourd'hui, il vous sort du cercueil là où on vous a déposé.
Ils vous sortent de la pauvreté maladive dont vous avez été victime. Ils vous sortent du manque intensif. Tout ce dont vous avez besoin financièrement, recevez-le aujourd'hui. Cette main sur votre tête, le Seigneur l'utilise comme point de contact pour vous reconnecter avec vos astres, pour vous reconnecter. Dès qu'une situation se pointe et que tu as la solution, je vous allège de tout fardeau. Que ce soit naturel pour vous d'être riche. Que ce soit naturel pour vous. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous avez grandi. Dans la pauvreté ou. Tu as grandi dans la laideur. Je déclare qu'à partir de 40 ans, si, tu deviens belle. Je mets la vigueur dans ton corps. Est-ce que vous savez que les personnes spirituelles, plus elles prennent de l'âge, plus elles sont belles, plus elles ont de l'énergie. Ce n'est pas l'inverse. À 20 ans, tu dormais 8 heures par nuit. À 40 ans, tu dors 4 heures par nuit. Et tu es en forme le matin. Hein? Je vous rajeunis. Je vous rajeunis. Je vous rajeunis. Marc 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle que soit la montagne qu'il y a dans ma vie, ouvrez la bouche, vous répétez. Quelle que soit la montagne qu'il y a dans ma vie, virgule, je commande à cette montagne, célibat, montagne de la pauvreté, montagne de la laideur, du rejet. Ce sont des esprits, s'il vous plaît. Montagne de sans-papiers. Montagne d'immobilisation géographique. Tu ne voyages jamais. Pourtant, tu as les papiers, tu n'arrives pas à voyager. Ça devient naturel pour toi de devenir riche. Ta force, ta puissance se lève. Tu avances dans la foi. Reçois le discernement pour savoir ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Reçois. Le numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Ça, c'est pour les offrandes ou pour nous contacter. 237-693-50-22-66. Toi qui écoutes mes paroles, je reprogramme chaque cellule de ton corps. J'enlève la pauvreté, la vieillesse. J'enlève la vieillesse de ton corps, la lourdeur de ton corps. Je chasse l'esprit de paresse. Je chasse l'esprit de sommeil excessif. Je chasse l'esprit qui fait que tu es dur avec toi-même. Le numéro de la Côte d'Ivoire, je vais vous le donner. C'est le 0779. 0779. 02
52 05. Zéro sept soixante-dix-neuf, zéro deux cinquante-deux, zéro cinq. Je vous commande de vous lever, peu importe le tribunal spirituel où on vous a accusé, les accusations qui portaient contre vous. Il y a parfois les familles où on a décidé qu'aucun des enfants, aucun des petits-enfants ne va voyager. Peu importe le verdict qu'on a mis sur toi, Kwaka, Marcel, Naomi, Florence, Hugo, je parle à tes os, ta moelle épinière, ton ADN, de se reprogrammer pour le succès. Je te reprogramme pour la réussite. Les personnes qui viennent à côté de toi, qui boivent, qui profitent de ton énergie, je détruis leur influence sur toi. Toute personne qui te vide émotionnellement, spirituellement. Merci beaucoup, la voix intérieure. Je te déconnecte de ces personnes. Comme des sangsues, ces personnes tombent. Elles perdent l'envie de te contacter. Elles perdent l'envie de venir vers toi. Je soulève ta vision. J'appelle l'argent dont tu as besoin pour construire ta maison, pour acheter ton terrain, pour financer tes projets. L'argent n'est plus un problème pour toi. L'argent ne te dépasse plus. Ça commence ici. Répète après moi. Je vais le faire. Je peux le faire. Je suis en train de le faire. Tu vas finir d'écrire ton livre. On va te donner ton visa ce mois de juillet. Reçois ton titre de séjour. Tu vas ouvrir ce business. Le Seigneur, sa main n'est pas petite, ce sont tes pensées qui sont petites. He's got a whole world, il a le monde dans sa main. Rien n'est trop petit pour Dieu, rien n'est trop grand pour qu'il n'accomplisse. Oh, mon petit problème, si. Est-ce que j'ai même besoin de venir lui montrer? Il ne s'occupe pas des petits trucs comme ça. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Montagne de la pauvreté,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Montagne du célibat, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Montagne du non-accomplissement, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Montagne qui fait que je n'ai pas d'emploi, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Mon numéro WhatsApp, c'est le 237 693 50 22 66. Merci pour la fleur, Sol. Si le Seigneur ne le fait pas par telle voie, il le fera par telle autre voie. Pourquoi tu fermes ce que Dieu peut faire dans ta vie? Pourquoi tu te limites, chérie? Pourquoi? Ta bénédiction n'a pas été prescrite seulement par telle personne. Lucia, je dois travailler sur toi. Contacte-moi ce mois. Tu as suivi Lucia. Vous avez beaucoup de choses où vous hésitez. Je vous sors de l'hésitation. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Deux étapes. Merci Manon. Ôte-toi. Jette-toi. S'il ne doute point dans son cœur, je viens dissiper les doutes qui étaient en vous. Je dissipe les doutes. Six quatre-vingt-treize cinquante vingt-deux soixante-six. Je chasse le doute de ton cœur. Que ta foi revienne comme c'était avant et même plus encore. Non, vous avez fait ce geste. Comme si on débarrassait les bras de quelque chose. Comme ça. Comme ça. Toute lourdeur que vous portez sur vos bras. Toute menotte qu'on a mis sur vos bras, merci Ariel, je vous en libère. Je détache vos bras. Tout arbre auquel on vous a menotté. Tu vois un truc, c'est facile à faire, mais tu ne fais pas. C'est facile, hein, mais tu ne fais pas. C'est bien facile, oh. C'est facile, mais tu ne fais pas. Vous voyez un peu le contraste? C'est facile, virgule, mais tu n'arrives pas à faire. Comme tu fais ça,
J'enlève la lourdeur. Que le corps de quelqu'un ne pèse pas quand il veut t'aider. Que ton corps ne pèse pas quand il faut aller te placer là où tu vas recevoir ta bénédiction. Parce que j'ai remarqué que ça, c'est quelque chose, ça détruit beaucoup les destinées. Tu dis à quelqu'un, je vais t'envoyer l'argent. Envoie-moi les détails de ton compte bancaire. Il tourne 5 jours avant de t'envoyer. Ce n'est pas la malchance. Je vais payer ta marchandise. Mais dis-moi sur quel compte je mets. La personne tourne. Je veux te garder ici comme employé. Quand tu arrives tous les matins, écris ton heure d'arrivée ici et ton heure de départ. Simple. Mais ça dépasse la personne. Lui-même, il ne comprend pas. Deutéronome, chapitre 8. Le Seigneur me parle beaucoup de ce passage depuis l'autre jour. Le frère Claude est souffrant. Donc, c'est probablement moi qui vais faire vos prières sur le numéro de téléphone aujourd'hui. Il y a une ligne que vous aurez normalement si vous allez sur Facebook. C'est un numéro qui commence par plus 80, plus 44. Deutéronome 8, verset 18. Je commence au 17. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir cette richesse effectivement. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Reçois la puissance pour devenir riche. Que ce qui a à faire pour te positionner là où l'argent va tomber sur toi. Pour te positionner, parce que l'argent là même, c'est position. Comme quand il pleut. Tu as une gouttière qui recueille l'eau sur le toit. Si tu portes ton fût, tu peux déposer de l'autre côté de la gouttière. Tu ne recueilleras presque rien. Par contre, si tu portes, tu vas déposer net là où l'eau la tombe. Quand la pluie va finir, quand les gens vont pleurer, oh, je n'ai pas l'eau, après quelques heures, ton eau va couler chez toi pendant des jours. Recevez la capacité de commander à votre corps de rester là où vous allez trouver l'argent. Parfois, tu vas en ligne, tu vois un business. Tu dis, oh, je peux faire ça. Hein. C'était bon. Hein? Comme tu as vu, tu as pensé là. C'est comme s'il y a un esprit qui vient prendre ça, s'asseoir de ta tête. Un an plus tard, tu vois quelqu'un déjà fait ça, il s'est enrichi dans ta vie. Tu dis, yeah, j'avais vu ça. Hein. Tu n'avais pas vu. Voir, c'est faire. Je vous enlève de la paresse. Tout projet que tu as commencé avec l'intention de prospérer. Merci Naomi. Tu commences en disant que je fais. Donc, tu avais l'intention de prospérer. En cours de route, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. 10 ans plus tard, tu n'as même pas un terrain. Alors que tu as vendu le terrain aux gens pendant 10 ans.
Toi-même, tu ne connais pas comment ça s'est passé. Tu commences une réunion, oh, je vais avoir 500 000 chaque mois. Au bout de 6 mois, tu n'as même plus 20 000 chaque mois. Tout ce que tu as commencé, qui devait te permettre de prospérer, aujourd'hui, au contraire, je multiplie tes voitures, tes terrains, tes rentrées financières, qu'avant la fin de ce mois, tu lances un autre business. Tu as commencé les vidéos. Après, toi-même, tu as abandonné. Tu ne comprends pas pourquoi. Hein? Ton concept aujourd'hui, 3 ans plus tard, les gens ont déjà les 100 000 abonnés avec ça. Je voulais faire ça. Hein? Reprends la force de ça aujourd'hui. Reprends. Moria ma santaria basso. Orakania manaria namasanda. Orakakania mabolishikarabanda de bosande. Akina de bokosoro monigarabakasanda de yabasande. Reçois la force pour devenir riche. Parfois, tu regardes quelqu'un, tu dis, ok, voilà un seau de 10 litres, je peux porter. 20 litres, je peux porter. 30 litres, 50. Non. Reçois la force pour porter ce qui était importable pour toi avant. Pardon. Souvent, tu restes comme ça là. Ah, je peux pas, mais je n'arrive même pas à m'occuper de moi-même. Je ne mange pas ma siété. Comment est-ce que je peux m'occuper des 3 enfants, une femme? Du coup, tu fuis. Reçois le courage pour faire face à tes responsabilités. Et quand tu prends ce courage, tu pars avec tes responsabilités. Tu écrases. Tu domines. Tu domines. Parfois, tu vas dire, est-ce qu'il peut arriver à payer mes employés? Tu payes tes employés, parce que tu donnes même le pouvoir. Tu fais du bénéfice dans ton business. La Bible dit que la femme, merci, la femme vertueuse, la Bible dit qu'elle se rit du futur. Elle se rit du futur. Je ris, ris. Ha, ha, ha. Ris quand tu penses. Parfois, il y a des périodes de dépression où, quand 6 heures sonnent comme ça, tu restes, tu penses aux factures qui t'attendent. Tu veux seulement mettre la couverture sur ta tête, tu restes au lit. Je te soulève. Je ne parle pas de vos rêves, je m'en fous de vos rêves. Merci. Je te soulève du trou dans lequel tu t'es retrouvé. Je chasse la peur de ton esprit. Reçois la grâce. Reçois la force. Pour t'élargir, pour dominer, pour posséder, pour prendre encore plus. Tu t'essouffles, tu payes un petit terrain. Quand j'avais fini de payer, on te propose 3 fois plus. Tu dis, ah, ton esprit voit comment tu peux payer. Seigneur, donne-le les idées. Donne-le les idées. Dis, je peux.
Dis je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Tu as acheté un terrain, quelqu'un t'a escroqué. Depuis 5 ans, tu es attaché. Tu pleures que le terrain qui est parti. Le Seigneur te commande de te lever et d'acheter d'autres terrains aujourd'hui. Dis je peux. Je peux. Je peux. Et le terrain futur sera plus grand, plus glorieux que le terrain passé. La gloire de ta prochaine maison sera plus que la gloire qui est passée. Écoutez les paroles que je vous donne ce matin. On jeûne aujourd'hui. Ça, c'est le jeûne de la gloire glorieuse. On t'a déshérité de 200 mètres carrés. Tu vas acheter 2 hectares avant la fin de cette année. Tu vas acheter 2 hectares avant la fin de cette année. Ton père a laissé 200 mètres carrés. Tu as pleuré sur ça, fatigué. Le Seigneur te dit de regarder ailleurs. Va conquérir. Ésaïe 60. La gloire de ta prochaine maison sera plus que la gloire de ta maison passée. Ça, c'est le livre de Joël. The glory of the later house shall be greater than the glory of the former house. Joël chapitre 2. Vous ne manquerez pas. Joël 2. Verset 21. Terre, ne crains pas. Tu sais que tu es fait de terre, non? Terre, ne crains pas. Chair, ne crains pas. Cette chair-là. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaintes du désert, les plaintes du désert, pardon, reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous, Lucia et Odo. Car il vous donnera la pluie en son temps, et je déclare que le temps de votre pluie est arrivé. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les ailes se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vois quelqu'un ici, tu as des années de bonheur qui ont été parties, qui sont volées. Le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Le chocolat. Tu vas faire l'amour. Tu vas voyager. Tu vas bien vivre. Tu vas bien vivre. Souris.
Il ne veut pas sourire. Sourire. Joël 2, verset 26, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez et vous rassasirez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je chasse la confusion de ton esprit. Merci, philosophe. Ésaïe 60. Lève-toi. Achète plus. Achète plus de terrain. Achète plus de maisons. Achète. Possède. Conquiert. Lève-toi et prends courage. Va vers ta mission. Lève-toi et fortifie-toi. Manifeste ta vision. Lève-toi et courage. Tout s'aligne pour toi. Lines are falling onto pleasant places for you. Regarde l'alignement de tes choses. Tu vois les coïncidences qui sont à ton avantage. Que ce soit ta portion aujourd'hui. Ce que Dieu t'a donné, tu peux faire avec. What God has put in your heart, in your hand, that you can use. Apprends à fructifier ce que tu portes dans tes mains. Tu comportes tellement plus que ce que tu penses. Holy Spirit, carry me, oh, carry me. Holy Spirit, cover me, oh. Open the door to me, reveal Jesus to me. Que le ciel s'ouvre sur vous. Que ce qui paraissait impossible pour vous devienne possible. Non seulement tu vas acheter le terrain, mais tu vas construire sur le terrain et tu vas construire une belle maison. Pendant que tu construis, tu vas acheter un autre terrain. Tu vas encore, oh non, l'argent apparaît. L'attaque que l'ennemi a perpétrée sur vous dans le passé était la suivante. J'achète la petite maison si je meurs. Après, je meurs. Oui, dès que je paye le loyer, si c'est fou, je suis morte. Quoi? Tu ne fais que commencer. You are just starting. Je pousse, je paye ça et je meurs. Et mon argent est fini. J'efface ça de ta mémoire. J'efface ça de tes pensées. Tu ne vas plus penser ça. D'ailleurs, Dieu t'interdit de payer quelque chose quelque part et tu dis, oh, ça c'est mon dernier argent. Mon argent est fini. On t'interdit. Interdiction. Ça, c'est mon dernier argent. Mon argent est fini. On t'interdit
Merci d'avoir partagé mon live. Merci. Vous êtes gentil, merci pour les cœurs. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais, tout le monde dit mais sur moi. L'Éternel se lève. Ça ne marche pas pour les autres. Ton cas est à part. Ton cas est différent. Ton cas est spécial. Bonjour Mariema. Ton cas, tu n'abandonneras pas tant que tu ne verras pas les clés de ta maison. Tu n'abandonneras pas tant que tu ne seras pas heureuse. Tu n'abandonneras pas tant que tu n'auras pas reçu le CDI que tu cherches, les papiers que tu cherches. Vois-toi dans ta voiture. C'est vous qui connaissez vos rêves. Chacun a ses rêves. Je déclare que sur vous, la lumière de l'Éternel se lève. Des nations marchent à ta lumière. Des clients viennent à ta lumière. Ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Verset 6, ils viennent avec de l'encens et de l'or. L'or, c'est l'or, hein? C'est l'or. Quand on vend ça, ça donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'or, la pacotille, c'est de l'or, l'argent. Okay? Les gens ne viennent pas à toi pour rien. Ils viennent pour t'honorer avec l'argent et l'or. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Leurs rois seront tes serviteurs. Tes portes seront toujours ouvertes pour laisser entrer, bien sûr. Tes comptes bancaires seront toujours ouverts. Ils ne seront jamais fermés, ni de jour comme de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Tout pays où tu es, même si ce n'est pas ton pays de naissance, cette nation te sert. Tout projet que tu as commencé dans un pays, après tu as abandonné. Tu es arrivé, tu as dit oui, on peut. Le Seigneur est en train de te remettre les idées. Il redépose. Reviens investir au pays. Ça ne coulera pas.
Quand Dieu te donne une parole, tu prends la parole, tu cours à la banque avec. Reçois l'entrée aux États-Unis. Reçois le titre de séjour pour les États-Unis. Pour les offrandes, si vous avez reçu des choses, vous les scellez par les offrandes. J'allais dire au Nigeria. Je vais donner le numéro du Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun. Tous les autres pays, vous pouvez envoyer par Orange Money à partir de la France. Je commence par PayPal. Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. Donc Aurélie, Michel, M-I-C-H-E. LLE. Aurélie Michel 2017. Donc 2017@gmail.com. Ça, c'est pour un don par PayPal. Je bénis les dons que vous enverrez, je bénis vos offrandes. Qu'est-ce que je faisais dans ton rêve? Je bénis vos dons. Cameroun, ceux qui sont en France, vous pouvez faire Orange Money au Cameroun. Ou bien vous envoyez Tap Tap Sen. 237 693 50 22 66. C'est un numéro WhatsApp aussi. Côte d'Ivoire 07 79 02 52 05. Le Gabon 074 18 00 80. Que l'argent vous poursuive toujours. Tu m'aidais à conditionner les produits. Peut-être que tu dois travailler pour moi, on ne sait jamais. Côte d'Ivoire, c'est 07 79 02 52 05. Je bénis vos offrandes. Ok, PayPal, elle me demande de répéter PayPal. Donc, c'est Aurélie Michel 2017@gmail.com. Et ça donne normalement converti en livres sterling. Donc, j'appelle Aurélie. A-U-R-E-L-I-E. M-I-C-H-E-L-L-E. 2017-2017-gmail.com.
Que votre foi se lève ce matin. Que le Seigneur vous vienne en aide. Que ses anges vous portent sur leurs ailes. Que rien ne vous touche aujourd'hui. Que vos portes soient ouvertes ce matin. Partout où vous irez, que vous brilliez. Bonjour Jeannot. Que votre visage s'illumine toujours. Bague, couronne, tout ça là, j'en vends, je vends. Quand je dis que tu veux, je vends. Tu veux, je vends. Ça fait VV. J'ouvre vos portes. Écris inbox, tu dis que tu veux la bague. Je ne pense pas que c'est dans mon live que je peux vendre. Je vous bénis. Tout ce que vous avez reçu ici, je déclare que ça ne vous quittera pas. Toute vertu que vous avez reçue est scellée. Tout ce qui est sorti de votre corps ne reviendra plus jamais. Je vous ai parlé d'une huile qui sera bientôt disponible, que vous pouvez souvent mettre sur vos pieds. Ça traite les lourdeurs. On a l'événement du Quantum Leap le 8 août. Préparez-vous déjà. Moi, je prends le temps que les abonnés. Je veux les abonnements. Les gens qui viennent d'arriver, vous dites non. Tu arrives, sache qu'on passe sur un traitement de 6 mois, 1 an. Toi-même, tu vois comment tes choses ont changé. Oui. Réservez les soins énergétiques aussi. Ceux qui ont fait les soins énergétiques savent. Je ne les fais pas seulement physiquement, à distance aussi. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare sur toi, à Joe, que ta dernière journée d'examen se passe bien. Je déclare la réussite sur tes examens. Je viens ouvrir tes portes, que tu ne manques pas. Je viens te fortifier. Toute arme qui a été forgée contre toi est sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Et les prières en inbox. Quand vous envoyez vos prières, envoyez avec vos noms, s'il vous plaît. Ok, Nubisi, je te débloque. Je débloque tes enfants. J'enlève le manque au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta vie est débloquée. Je dépose en toi la force. Je chasse la paresse au nom de Jésus. Moi, je vous connais. Souvent, vous faites trop de paresse. Je ne sais pas pourquoi. Reprends le travail qu'on t'a enlevé. Je te fortifie et je te redonne encore les finances. Je te positionne, je donne la faveur vis-à-vis de ton nouvel employeur. Et toi-même, tu crées d'autres activités aussi, au nom de Jésus. Parfois, vous vous figez seulement sur « Oh, oh ». Je déclare sur toi, Edna, le déblocage de ton voyage. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. J'ouvre tes yeux, ton argent. Reçois l'argent pour pouvoir voyager. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Je déclare sur vous la restauration, Jenny. Je te restaure, je débloque ta vie. D'autant que l'ennemi a forgé pour t'empêcher d'avancer. Je détruis ces armes au nom de Jésus-Christ.
Je sois l'enfant que tu cherches. Je viens bénir tout ce que tu as demandé, Georgette. Je te solidifie au nom de Jésus. Bonjour, Photo. Je déclare sur toi que tu es pardonné. Je déclare que ton fils est reçu dans la fonction publique. Je déclare que le stage de ta fille se termine bien et elle trouve un emploi où elle est bien rémunérée. Je déclare sur toi aussi ta promotion, que tes projets avancent. Je viens détruire tout ce que l'ennemi a mis pour te bloquer au nom de Jésus. Audrey Ego, je déclare sur toi. Je restaure ton couple. Je déclare l'abondance financière sur toi. Sonia, je mets tes idées en place. Que ce que l'ennemi a mis pour te détourner, soit annulé. Il y a une ligne de prière. Hein. Je m'accorde avec toi. J'ai dit que cette ligne, c'est pour les intentions de prière. Si tu n'as pas d'intention de prière, tu n'écris pas. Je ne vous comprends pas. Là, j'ai déjà prié. Je serai en train de voyager à 12h, donc je ne ferai pas de prière à 12h. 18h, quand je serai arrivé dans le pays où je vais, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, je vais me connecter pour faire la prière. Oh. Je ne vais même pas te répondre, madame. Je continue mes prières. Reçois l'établissement du passeport de ta fille. Que tout document qui te bloquait depuis soit libéré, Bénédicte. Je mets l'harmonie dans ta relation avec ton partenaire. Donc tu demandes qu'on allume le feu de la prière dans ta vie, mais tu ne veux pas l'argent. Je te bénis, j'ouvre tes portes au nom de Jésus. Apprenez à être discipliné. Je vous dis ça, c'est une ligne de prière. Tu écris sur la ligne de prière pour demander un autre truc. Quand tu écris cela, tu envoies tes intentions. Ok. El Shaddai, n'écris pas trop. C'est pas parce que j'écris dans mon direct qu'il va te répondre. Edwige, reçois la bénédiction, l'ouverture de tes projets. Que ton service traiteur décolle. Que ton mari et toi aient l'amour, l'harmonie, l'entente. Demande un lavage et mariage pour vous deux. Qu'aucune âme forgée contre vous deux ne prospère. Reçois l'enfant que tu cherches, que tu puisses enfanter. Que cette grossesse se passe dans de bonnes conditions. Je débloque ton ventre. Prends le kit des envoûtements. J'ouvre ton ventre pour que tu puisses enfanter. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier depuis 30 à 45 minutes déjà. Ingrid, qu'on approuve ton contrat pour que tu ailles à l'école. Je viens te bénir, j'ouvre tes portes. Reçois les finances qu'il te faut, tout document qui te manque, que tu puisses valider ce document, qu'on le retrouve s'il y a un papier qui était perdu. Tout projet que tu attends depuis pour lancer, je le relance au nom de Jésus.
Généralement, vous dites seulement que blocage, blocage. Tu ne connais pas ton blocage. Je restaure tes finances. Reçois un travail fixe. Et sois assidu dans le travail. J'enlève la paresse de ton corps. Souvent, vous faites comme ça, vous-même, vous êtes paresseux comme tout. Recevez un travail stable et rémunéré. Toute personne qui a bloqué ton travail, même si tu es allé travailler quelque part, après on t'a chassé. Je te libère, je te libère. Reçois le travail, que tu ne manques plus financièrement. Tout travail que tu trouves, tu le conserves. Pourquoi tu trouves le travail, après ton patron ne t'aime plus. Nous remercions le Seigneur pour ta demande qui a été acceptée. Que ta demande soit acceptée à 100%. Et aussi que tu reçoives le montant maximum. Tout ce que vous demandez, vous obtenez. Je m'accorde avec toi. Je libère ton chakra de la gorge pendant que tu m'écoutes. Toutes incantations qui ont été données contre toi, je les annule. Je déclare sur toi la lucidité mentale. Le retour à l'envoyeur, j'envoie vers l'ennemi tout blocage qu'il a mis sur toi. Et je m'accorde avec ce que tu as demandé. Que le ministère des Finances débloque ton argent. Au nom de Jésus. Reçois la restauration de tes finances, Daniel. Que tu trouves un nouveau boulot et que tu aies la santé. Que la CAF te paye, Yasmine. Carl, que tu reçois la stabilité. Reçois l'abondance, Momi Lisa. Je bénis ta famille, Kabanga. Je vous sors de toute malédiction. Reçois l'aide de l'univers à travers ce kit que tu as de fondation que tu viens de faire. Reçois l'argent pour payer tes dettes, Jacqueline. Monsieur l'ingénieur, que tu puisses trouver de bons marchés. Que tu puisses trouver un homme, Rafa. Que l'agent immobilier puisse faire des ventes. J'enlève tout esprit de malédiction sur cet agent immobilier. Personne ne veut t'aider pour ouvrir ta boutique. Personne ne te doit rien. Tu as compris? Reçois ton voyage. Que ton commerce prospère. Reçois la stabilité, Zeldi. Vénusie, je déclare sur toi le déblocage. Tu es débloqué. John Peter, que ta procédure de voyage se passe bien. Gavia, que tu reçoives le mariage et l'enfant. Que ton dossier avance, clé. J'enlève la paresse de votre corps. Que ton commerce avance. Que ta situation financière soit débloquée. Mireille, que ta situation soit débloquée. Saül, reçois l'abondance. Aronde, reçois l'abondance qui t'a été enlevée. Que tu puisses payer tes dettes. Enlève la peur de ton esprit. Reçois ton voyage. Sky Billionaire, bonjour. Charmante, bonjour.
reçois l'avancement de ton projet de voyage. Sage Malanda, reçois le travail. Merci pour les fleurs, Ernest. Guy Tchoke, que tu prospères dans tout ce que tu vas faire. Sully, je déclare la restauration de tes finances. Aïcha, que tes papiers marchent. Christian, bonjour. Charlène, reçois ton opportunité de travail avec le salaire que tu désires, qui est au-delà de tes attentes. Je ne parle pas des rêves ici. Que ton visa se passe bien, Ketina. Reçois le travail, charmante. Bonjour à ceux qui viennent se réveiller. Nadine, je décale la guérison sur tes enfants, Anès. Reçois sur ton fils, Anès, et reçois l'argent. Florence, que tes portes s'ouvrent. Queen Kwaka, reçois la restauration de tes idées et l'argent. Cette personne qui a fait l'offrande, je bénis ton offrande. Je bénis ton offrande au nom de Jésus. Que tout ce que tu as reçu soit reçu ce matin avec cette offrande soit scellé par le sang de Jésus et que tu manifestes. Que le Seigneur lui-même te redonne en retour cela multiplié par mille, que cette semence parte. Ma chérie, ne m'embête pas. Hein. Cette ligne, c'est pour mettre les intentions. Tu veux pas mettre les intentions, tu laisses. Tu as compris? Hé, t'as été bloqué même d'abord. Si vous pratiquez dans la sorcellerie, vous partez faire ça ailleurs. Et tous les esprits tordus. Vous n'aimez pas les procédures. On dit, vous avez les intentions de prière. Venez écrire ici. Mais vous êtes fous. Oui, pardon. Merci, je viens te bénir. J'ouvre tes portes. Que tes enfants soient bénis. Amanda et tous les autres enfants que tu as. Je déclare sur toi, Cathy, que ton fils est béni. Que ton fils parle. Je restaure sa langue pour qu'il parle. Qu'il fonctionne comme le Seigneur l'a créé pour qu'il opère. Je déclare l'abondance financière, l'ouverture de tes portes. Que ton travail de fin d'études soit finalisé. Que tes examens se passent bien. Je chasse, tu dois prendre du blindage pour ta tête. Oui, et tu demandes un lavage à distance. Tout blocage familial qui dit que les gens ne seront pas quelqu'un dans votre famille, j'enlève ça sur toi. Je déclare que tu vas encore plus fréquenter même et que tu auras un bon travail qui va donner beaucoup d'argent au nom de Jésus. Seigneur, je bénis Olga. Je déclare sur Olga qu'elle sort du chômage. Olga, je te libère de tout esprit de chômage, toute chaîne qui t'a bloqué pour que tu ne travailles pas. Je te sors de là au nom de Jésus. Ketiana, que tu ne rates plus ton visa. Non, ne dis plus ça. Reçois ton visa. Ok? Quand je ne rate plus ça, c'est l'échec déjà. Reçois ton visa au nom de Jésus. Il faut aller dans un orphelinat, tu fais une offrande. Tu achètes... À la fin de ce jeûne, vous connaissez déjà ceux qui sont avec moi depuis longtemps. À part l'offrande que vous faites pour la prière que vous avez faite avec moi, cherchez un orphelinat, vous partez là-bas, vous donner quelque chose. Ne simplifiez pas. Ne simplifiez pas. Reçois l'enfant que tu cherches au nom de Jésus. Père, à l'écoute de cet audio, Père, je libère ses trompes, je libère son utérus pour qu'elle conçoive au nom de Jésus-Christ. Je viens débloquer tes projets, ma fille, je débloque tes projets, Gaëlle. Je débloque tes projets, je débloque ton esprit.
Je chasse la négativité de ton esprit au nom de Jésus. Mireille, reçois le pardon pour tes péchés. Je viens te couvrir du sang de Jésus. Que ton commerce s'agrandisse au nom puissant de Jésus. Que ta main puisse porter beaucoup d'argent et que tu puisses avoir la gestion financière. Paye ta dîme, paye ta dîme. Je m'accorde avec vous pour la réussite de tes enfants, qu'ils réussissent à leur concours, qu'ils aient leur diplôme. Je débloque les voyages. Je déclare aussi que ton fils Steve obtient son contrat de fin de travail au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'accorde avec vous et nous prions pour le frère Claude. Le frère Claude, nous déclarons sur lui la guérison prompte et totale, la stabilité et la paix dans sa vie, qu'aucune arme forgée contre lui ne prospère. Je déclare qu'il résiste aux attaques de l'ennemi et qu'il triomphe. Papa Yahweh, je m'accorde avec ta fille ici présente. On vous dit de mettre vos noms quand vous demandez la prière. Vous ne mettez pas. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Reçois les finances dont tu as besoin pour réaliser tes projets. Je viens te débloquer. Je déclare la santé sur toi. Je déclare la force. Je te chasse. J'enlève la paresse de ton corps. Qu'il en soit ainsi. Reçois le remboursement de tes dettes, des personnes qui te doivent, Wembe. Toute personne qui a ton argent qui est bloqué, que la personne rembourse. Je débloque maintenant la faveur sur toi. Lave-toi avec le sel. Et si tu peux prendre le kit fondation ou le sel arc-en-ciel, le kit fondation, ça va t'aider. Tu mets beaucoup, la poudre jaune là, tu te rends le visage avec. Avec le donne-moi tout. Il y a comme un esprit de rejet sur ton visage. Reçois maintenant les travaux. Reçois l'argent pour finir les travaux de ton fils. Que ta main reçoive les finances. Que ta main reçoive l'argent. Prie pour tes enfants. Emmanuel, Marie, Olivia, Ange, Elia. Nous bénissons tes enfants. Et te libère de la colère, Florence, de la peur. Que tu aies confiance en toi, au nom de Jésus. Léonie, que tes activités prospèrent. Charlotte, je viens ouvrir tes portes, que tu marches encore plus dans le bon sens. Que les projets que vous avez commencés, qui ont été arrêtés par manque de finances, nous restaurons ces projets. Et déclare la santé pour toi et l'ouverture de tes finances. Que ta fille ait son bac anglophone. Que ta musique de ta maison de production, Ashley, que ça s'ouvre demain. Que le Seigneur accélère les choses. Et que toi-même, tu n'attendes pas qu'une autre personne vienne le faire. Je mets en toi le courage et l'accélération pour travailler. Je déclare la guérison sur ton enfant, Victoire. Victoire, lève-toi. Je chasse la maladie de ton corps. Je restaure l'âme de Clément. Je restaure ton âme maintenant, au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance, Sanou Kevin. Je te bénis, je déclare la promotion sur ta vie. Au nom de Jésus, je chasse les manquements que tu connais. Je te fortifie que tu n'abandonnes pas tes projets. Que tes enfants, Joël, Noah et Manu, soient bénis. Travaillez sur vos enfants, s'il vous plaît. Que ton business d'élevage d'escargots prospère.
Reçois ton voyage, Alice. Que ton commerce s'élargisse encore plus. Tout blocage sur tes pieds, j'enlève. Achète l'huile de blindage ou l'huile d'olive. Tu mets ça sur tes pieds, ok? Tu masses les pieds avec l'huile de blindage. J'enlève toute immobilisation, tout ciment dans lequel on a mis tes pieds. Je te libère. Je sais que vous n'aimez pas trop travailler sur vous. Je ne sais pas pourquoi. Travaillez sur vous, s'il vous plaît. Je vends des produits. Demande-lui de blindage. Tu mets sur ta tête, ta poitrine, tes pieds, les maladies là. C'est les gens qui témoignent souvent du lui de blindage là. Qu'on enlève les boutons, qu'on enlève le masque, qu'on guérit les blessures, qu'on enlève ça fait encore quoi là. Quand peut-être tu es attaqué, tu sens que tu as les palpitations, toi, tu mets sur toi. Tu vas peut-être pour composer, tu ne retiens plus ce que tu vas écrire. Tu prends le bendage, tu es sur ta tête. Il y a la protection pour tes enfants. Rose, Mathias, Monique. Tout démon qui bloque la vie de tes enfants pour qu'ils n'avancent pas. Il faut demander un lavage à distance pour tes enfants. Tu vas payer 25 000 par enfant, spécialement pour toi. Je vois les blocages qui viennent de toi, qui sont sur tes enfants. Voilà, j'enlève les malédictions générationnelles. Tu fais écouter le voici à mes employés, aussi c'est pour toi particulièrement. Je ne pense pas que les enfants là sont encore petits, ça va être des grandes personnes. Je déclare sur toi, Marina, la délivrance de tous liens familiaux. Je te libère, je déclare sur toi l'accélération, j'enlève la paresse de ton corps. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Reçois le voyage pour tes enfants, la prospérité. Imelda, Iphigénie et Germain, nous bénissons ces enfants. Nous enlevons les ralentissements et les blocages dont ils ont été victimes. Au nom de Jésus. Toute personne qui a ton argent. Toute personne qui a bloqué ton argent. Je débloque, je débloque, je débloque, je débloque. Trouve le travail et que la procédure pour la France que ton copain a commencé, que ça aboutisse. Reçois les finances pour faire toutes les procédures dont tu es en train de parler ici. Reçois un travail stable, un CDI au nom de Jésus. Prends un kit de désenvoûtement et tu demandes un rituel de détachement pour toi et ton copain. Je viens désenvoûter ton corps, tout mauvais esprit dans ton corps, je chasse. Je restaure ta vie, je restaure la vie de tes enfants par la puissance du Saint-Esprit. Père, comme ta fille s'est levée la nuit pour prier, papa, je déclare que les portes du mariage lui sont ouvertes, Père, avec une bonne personne, une personne financièrement stable. Je déclare que ta fille ici, elle-même, elle est libérée de tout masque qui empêche qu'on ne voie sa beauté, tout endroit on l'avait bloqué, toute porte qui lui était fermée. Je viens ouvrir ces portes au nom de Jésus. Je viens vous bénir. Je déclare que ta fille Jalia, qu'elle reçoive son voyage au nom puissant de Jésus. Reçois ta réponse à la préfecture. Toute procédure que tu attends, ta naturalisation qui a déjà duré depuis 2 ans, je déclare l'accélération de cette procédure. Par l'offrande que tu as fait hier, toute personne qui s'est assise sur tes papiers, je libère ces papiers maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois allumer une bougie chez toi pendant 3 jours, une bougie chaque jour pendant 3 jours. Tu laisses la bougie brûler jusqu'à la fin. Tu écris ton nom sur un papier, tu mets en bas de la bougie et tu mets le sel autour de cette bougie. Donne-moi ton nom complet, je vais t'allumer une bougie ici, là.
toi qui vas composer aujourd'hui, que tu puisses passer, réussir à ton examen par la puissance du Saint-Esprit. Tout endroit où on t'avait bloqué, je libère ton esprit, je libère ta tête pour que tu comprennes quand tu vas te retrouver devant les épreuves. Je te débloque, je chasse tout démon. Si tu es au Cameroun, il faut prendre le blindage aujourd'hui. Voilà, je restaure tes idées. Tout blocage qui avait sur toi, j'enlève au nom de Jésus. Cette bougie, c'est pour toi. Je mets la lumière dans ce qui te concerne. Toute épreuve que tu es en train de traverser actuellement, je déclare que c'est la fin. Toute personne qui te bloquait, je te restaure au nom de Jésus. Je vais déposer ça ici pour la journée. Donc toi, tu fais la même chose chez toi. Reçois le boulot. Jenny, reçois ton voyage et que tu puisses continuer tes études. Si quelque chose te dit de prendre ta tête pour toucher, il faut faire non. Mettez la main sur l'écran. Utilisez votre main comme point de contact pour vous libérer. Toute entité dans votre corps, toute paresse, toute inertie, tout serpent qui t'a attaché. Tu es couché dans le lit depuis des jours, tu n'arrives pas à sortir de la maison. Je viens redémarrer ta vie. Je remets de l'espoir en toi. Je te débloque, j'enlève les chaînes qui te bloquaient. Steve, Marielle, Didier, Linda, Raï et Elsa. Je libère tous ces enfants de tout blocage. Pour une journée encore, le travail sur vos enfants, le lavage, c'est 25 000. Je vais encore mettre ça à 25 000 aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'enfants, vous ne travaillez pas sur vos enfants. J'ai parlé, j'ai consulté une femme hier. Elle a eu l'enfant avec un monsieur, ils sont séparés. Le monsieur, ça fait au moins 10 ans qu'il ne cherche pas les enfants, donc. Et l'enfant est devenu têtu jusqu'à. Elle a tout fait, gronder, ceci, amener même au commissariat pour qu'on tape. Mais elle a oublié de travailler sur l'enfant. Parfois, vous faites tout, vous achetez des chaussures à l'enfant, vous l'envoyez en vacances, vous oubliez de travailler sur l'enfant. Certains de vos enfants, tu as eu l'enfant avec un homme, il arrive à vendre l'enfant. C'est vrai qu'on parle comme ça là. Celui qui entend, entend. Celui qui n'entend pas. Bonjour, tu mets ton nom. Je ne vois pas ton nom. Vous pensez que les prières là, c'est même quoi? Hein? Voici mes intentions. Ta 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 ta, déblocage, mariage, prospérité. C'est un peu comme si tu arrives, tu déposes comme ça pour que quelqu'un lave la vie pour toi et te remet. La prière, c'est quelque chose qu'on engage dans les deux côtés. Et tu fais ça avec le jeûne. Donc vous avez dit que Dieu ne vous. Oh, arrêtez. Le diable voit même comment vous priez, lui-même il regarde, il dit, oh, ça ce sont les blagueurs. Je chasse tout homme fort de votre vie, toute personne qui vous bloque, toute personne qui ne veut pas que vous avanciez. Je vous bénis au nom de Jésus. Que ton test que tu as passé à l'ONU se passe bien. Que tu sois sélectionné par la puissance divine. Que tu reçoives un bon salaire, un travail où tu es épanoui.
Je vous bénis. J'ai terminé, il faut que j'y aille. Monsieur, je m'en fous de ton rêve, tu as compris. Je suis en train de prier. Je vais laisser ce qu'elle fait pour aller parler de ton rêve. Arrêtez vos bêtises là. Déclare sur vous l'ouverture de vos portes. Que vos projets aujourd'hui puissent se concrétiser par la puissance du Saint-Esprit.